préparation EPS BAC, les candidats sont prêts à affronter le jour J. À quelques jours du début des épreuves de l'éducation physique et sportive du baccalauréat, certains candidats se disent prêts. Je me suis bien entraîné 2 heures par semaine durant la matière de l'EPS tous les mardis et le samedi, je m'entraîne, a confié une jeune candidate de l'école privée Nirina Ivange. Toutes les conditions sont réunies, de même les candidats ont déjà atteint les performances nécessaires pour décrocher les moyennes durant les épreuves, a fait savoir Voulana Rasoul Nirine, professeure de PS et non moins ancienne athlète de Madagascar. Aujourd'hui, on procède à des évaluations et tests des candidats ainsi qu'au renforcement des acquis, a poursuivi cette enseignante. Les épreuves débuteront le 29 mai pour les candidats de cette école. Si les étudiants de la série A2 passeront leurs épreuves écrites, ceux de la série A1 seront accueillis au stade de Mahamasen. Presque tous les candidats de l'EPN ont choisi les épreuves pratiques pour cette matière d'EPS, une matière obligatoire et éliminatoire pour l'examen du baccalauréat. En revanche, cela n'empêche pas le professeur d'EPS de dispenser de cours théoriques. Notons que les convocations des candidats qui vont affronter l'EPS sont déjà disponibles auprès de chaque centre. Les épreuves débuteront le 22 mai prochain.